Bonjour à tous, on se retrouve pour la présentation de la tablette graphique Wion Canvas 16 Pro. On commence par une introduction sur les tablettes graphiques, et puis le temps d'ouvrir le colis, on se retrouve juste après. A tout de suite, c'est parti! Avant de vous parler de la tablette graphique à écran Wion Canvas 16 Pro, de taille 16 pouces donc, que vous voyez ici à l'écran, j'aurais voulu vous parler de deux tablettes, toujours de la marque Wion, et qui sont donc sans écran. Ici, une première tablette qui est la Wion HS610, donc qui dispose... Alors, quelles sont ses caractéristiques? Elle dispose de 12 touches programmables, ainsi que d'une petite molette ici au centre. L'avantage de cette tablette, c'est que vous avez un adaptateur pour pouvoir la brancher sur un smartphone, comme vous voyez ici sur la photo. Ça, c'est pour la HS610, et puis pour la HS611, qui est un petit peu plus chère, à 87€. Donc, toujours cette possibilité de brancher cette tablette sur un smartphone, de façon à dessiner sur un smartphone. Qu'est-ce qu'elle a de plus? Elle dispose donc de 10 touches programmables. L'autre en avait 12, et en plus elle a 8 touches multimédia, donc augmentation du volume, morceau suivant, morceau précédent, pause, play. Un petit peu plus cher, vous avez le choix entre 3 coloris, je crois, de mémoire, pour cette tablette-là. Voilà, en corail, bleu ou bien grise. Voilà pour ces 3 tablettes. Et puis, bien sûr, ce dont nous allons parler aujourd'hui, c'est de la Wion Canvas Pro 16, qui est une tablette graphique à écran. Contenu du coffret. Donc, il y a une tablette qui est, je trouve, un très très bel objet. L'arrière se trouve en aluminium, la face arrière. Une tablette donc graphique, je parlerai de la taille après. Un stylet et un porte-stylet. Donc, vous pouvez mettre le stylet sur le porte-stylet comme ceci ou bien comme cela. Vous avez 10 mines de rechange qui se trouvent dans le porte-stylet. Voilà. Le stylet comporte deux boutons, vous voyez ici. Donc ici, ben, ce sera bien sûr le correspondant au clic gauche pour pointer, clic gauche de la souris. Ici, en général, on met le clic droit. Et puis, il y a un deuxième clic ici qui, en général, sert à la gomme dans un outil de dessin, dans un logiciel de dessin. Voilà, ça c'est pour le stylet, un porte-stylet, un gant, ici à la marque Wion, qui permet d'éviter qu'il y ait une adhérence entre la main et la vitre de la tablette quand la main est un petit peu humide. Voilà, il y a pour le branchement un câble qui s'appelle 3 en 1, c'est-à-dire 3 câbles ici et un seul ici. Donc vous avez un câble HDMI qui ira sur le PC, un câble USB qui ira également sur le PC. Ici, vous avez une fiche qui ira sur l'adaptateur fourni, adaptateur secteur 220 volts, donc on connectera avec la fiche comme ceci, si j'y arrive, voilà. Et le 1, ben le 1, c'est que vous aurez un micro USB ici, vous avez un micro USB ici qui va aller directement sur la tablette. Voilà. Chiffon nettoyage qui se trouve aussi dans le coffret, et puis un guide de démarrage rapide en plusieurs langues, dont le français, qui vous permet de brancher et de prendre, faire une prise en main rapide de la tablette, de cette tablette graphique. Voilà donc pour le contenu du coffret. Ce que j'ai trouvé aussi très très malin, c'est une petite planche de stickers de façon à pouvoir repérer vos six touches de raccourci plus facilement. Alors, j'ai pas parlé encore du support. Donc, la tablette est posée sur un support. Alors, attention, ce support n'est pas fourni avec la tablette. Il s'achète à part. Je pense que pour une utilisation pédagogique, il est indispensable. Alors, le support, il y a plusieurs inclinaisons possibles, comme vous pouvez le voir ici. Donc, on peut incliner la tablette
à sa convenance, selon le travail que l'on souhaite faire. Je pense que pour une utilisation pédagogique, voilà, cette inclinaison-là convient. Et ici, vous avez un petit loquet pour bloquer la tablette en position basse. Alors encore une fois, ce support n'est pas livré avec, il faut se le procurer à part sur le site William. Si j'y arrive, voilà. Donc ça c'est OK. La tablette maintenant. Vous avez quatre orientations possibles. Vous pouvez orienter la tablette, donc vous pouvez la laisser dans l'orientation classique avec les boutons, les touches de raccourci sur la gauche. Pour les gauchers, vous pouvez paramétrer la tablette dans le driver, avec le driver, de façon à avoir les touches de raccourci qui se trouveront sur la droite. Mais aussi, pour certains travaux particuliers, vous pouvez très bien décider de travailler avec les touches de raccourci situées ici en haut, donc la tablette en format portrait, ou bien les touches de raccourci en bas, toujours au format portrait. Donc vous avez quatre inclinaisons possibles. Moi, je suis droitier, donc je vais laisser l'inclinaison par défaut qui correspond aux touches situées donc sur la droite. Voilà donc pour le coffret, l'orientation et les six boutons. Ici, vous avez également aussi une barre tactile qui permet donc de soit faire défiler les pages dans Word, ça correspond à la molette sur une souris qui en possède une, ou bien sur un logiciel de dessin, avoir le zoom avant ou zoom arrière. Voilà donc les principales options. Et on a vu aussi les branchements. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais brancher la tablette. Enfin, je vais commencer par installer le driver. Je mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Et puis ensuite, je vais brancher la tablette. Et puis, on se retrouve juste après. À tout de suite. Voilà donc cette tablette donc, qui a été... j'ai connecté la tablette et puis je l'ai allumée. Donc, une très, très belle qualité d'image. Un confort visuel hein, en 16 pouces. On a vraiment un très, très grand confort visuel. C'est pour ça que je pense qu'elle est plus adaptée encore que les tablettes plus petites pour pouvoir faire un enseignement en classe face à des étudiants ou face à des élèves. Que dire sur cette tablette? Donc sa taille, c'est 43,8 cm de longueur, 25,1 cm de largeur et 1,2 cm d'épaisseur. La taille de la zone active, pour que vous puissiez vous rendre compte, j'ai collé un format A4 portrait et un format A4 paysage. J'ai assuré la surface active de cette tablette de façon que vous puissiez vous rendre compte. Elle fait 34,4 cm de large, surface active, et 19,4 cm de hauteur. Quelque chose, encore une fois, de très très confortable pour pouvoir travailler. L'écran est en verre laminé, et il est traité anti-reflet. Il n'y a vraiment pas de reflet de lumière du jour dessus. La résolution haute définition, 1920 pixels x 1080 en 16,7 millions de couleurs. Et il ne me reste plus donc qu'à parler du stylo, notamment des niveaux de pression quand vous êtes sur un logiciel de dessin. Alors si j'ouvre le driver de cette tablette, et si on va maintenant dans stylet numérique, vous voyez ici, vous avez test de pression. Donc, je vais essayer de ne pas cacher avec ma main. Donc, vous voyez ici, vous avez un curseur en bleu qui on le voit donc sur la simulation du vidéoprojecteur, hein, de l'écran de vidéoprojecteur. Donc, plus j'appuie, bien sûr, plus on a un niveau de pression qui augmente. Ça vous permet de vérifier un petit peu où vous en êtes, mais pas que, puisque vous voyez ici, vous avez le réglage de la sensibilité. Si vous trouvez que votre tablette est trop sensible sur les faibles pressions, vous pouvez baisser ici ce curseur, voilà, ce qui fait que il faudra vraiment appuyer beaucoup plus pour commencer à avoir une détection de votre écriture au stylet. Donc ça permettra d'avoir un stylet qui soit pas trop sensible. Et par opposition, si vous voulez un stylet très très sensible, vous montez cette courbe là et vous aurez un stylet qui va partir en flèche dans les pressions. C'est pas forcément ce qu'on veut. Moi, je vais la laisser comme ça. Et puis, je vais faire appliquer. Alors, appliquer et puis fermer. OK. Allons voir ce qui se passe dans un logiciel de dessin. Ici, donc, je vais prendre le pinceau en 0,75 avec cette forme-là. Et je reste en rouge. Alors, si j'appuie peu, vous voyez que j'ai un trait fin. Et si j'appuie beaucoup,
eh bien, j'ai un trait beaucoup plus gros. Et puis, je vais faire les deux. Je vais appuyer très peu et puis beaucoup, très peu et beaucoup. Et puis, j'ai un trait qui est comme ça. Alors, ça, c'est vrai dans un logiciel de dessin. Ça ne sera pas vrai sur OneNote, par exemple, puisque OneNote, en fait, vous avez différentes épaisseurs qui sont calées ici, mais on ne peut pas jouer avec les différentes épaisseurs. Il ne s'agit pas ici de dessiner, il s'agit ici d'annoter des documents ou de mettre des flèches ou de mettre des remarques particulières. Donc, ce n'est pas du tout la même utilisation. Disons qu'en pédagogie, c'est beaucoup moins utile d'avoir... Je vais réussir à retourner. Voilà. En pédagogie, c'est beaucoup moins utile d'avoir cette sensibilité à la pression-là que si on compare par rapport à un logiciel de dessin. Voilà donc pour cette petite démonstration avec le stylet. On va passer maintenant à des applications pédagogiques de cette tablette graphique Huion en 16 pouces, Canvas 16 Pro. Vous souhaitez par exemple commenter un code source Python, ici c'est sous l'environnement PyScriptor, et vous pouvez très bien avec la commande Windows Shift S donc faire une capture d'écran d'un morceau de votre code source ou bien de l'ensemble de votre code source qui se trouve dans le presse-papier, et puis ensuite vous rendre dans OneNote, et puis avec le clic sur le stylet faire un clic droit pour faire coller. Une fois que vous avez ce programme qui se trouve donc donc on peut le déplacer ici. Voilà. Une fois que vous avez ce programme qui se trouve dans votre OneNote, donc il sera possible de l'exporter au format PDF de façon à pouvoir garder une trace et mettre sur un espace numérique de travail l'ensemble de votre travail qui aura été fait sur ce tableau blanc interactif. Eh bien, vous pouvez commenter votre code source, par exemple ici avec le surligneur, bien indiquer qu'il faut importer la bibliothèque NumPy pour ce programme-là, la bibliothèque Mat également, et puis indiquer par exemple si l'étudiant ne se souvient plus de la définition de la variance, ben, dire ici que c'est une fonction, et puis que la variance de Z c'est égal à 1 sur N fois la somme de i égale 1 à n des z carrés, des zi carrés, moins somme de z sur n, donc moins la moyenne au carré. Voilà. Et donc vous rappelez la formule mathématique qui se trouve ici, donc grâce au stylet et donc grâce à la tablette graphique. Un exemple avec GeoGebra, si vous voulez commenter un graphique de l'espace, il suffit de commencer par le sélectionner, donc ici, pour le placer dans le presse-papier, voilà, il se trouve dans le presse-papier, vous allez ensuite dans OneNote, et puis vous faites clic droit sur le stylet, et puis vous faites coller. Donc là, on va l'agrandir un petit peu. Voilà. Une fois que vous en êtes là, vous pouvez commenter votre graphique en disant qu'ici par exemple vous avez représenté le plan qu'on peut nommer P3 avec l'équation de P3, et bien c'est z égale 3, et que dans ce plan ce volume de l'espace, et bien il s'écrit donc c'est une surface que je vais l'appeler S3, et cette surface et bien c'est x supérieur ou égal à 0, x inférieur ou égal à y, et y inférieur ou égal à 3, puisque ici z égale 3. Et ça, les étudiants sont habitués, c'est un triangle rectangle, il se trouve ici rectangle en ce point-là, voilà, vous pouvez commenter, et puis on peut donner de la couleur à ce triangle-là, ou le mettre vraiment en trait foncé pour expliquer, donc il se trouve à cette... sur ce plan, c'est un triangle rectangle. Et puis on peut aussi expliquer que je change de couleur, je vais prendre du vert foncé, que si on prend un autre plan, donc que je vais tracer en dessous, je vais l'appeler PK, et PK, son équation c'est Z égale K,
Eh bien, dans ce plan PK, on aura ce triangle que je vais repasser en vert ici, qui est à nouveau un triangle rectangle. Voilà. Et puis, bah, quand on fait cet ensemble, quand on somme cet ensemble de triangles rectangles, eh bien, on a un tétraèdre. Donc, on a ce volume de l'espace qui est caractérisé par cet ensemble d'inéquations. Un exemple avec le logiciel Xurnal++, avec une copie d'étudiant qui a été numérisée au format PDF. Alors ici, pour mettre, donc on est sur, on va prendre ici le stylet rouge en taille moyenne, et puis on peut mettre ici des remarques, par exemple écrire le système de points. Et le système, ce sera des ronds F sur des ronds X, de X et de Y égale à 0, et des ronds F sur des ronds Y, de X et de Y égale à 0. Et donc on peut faire un ensemble de notations, mettre des points. Bon, ici ça a été correctement fait, les deux dérivées partielles sont justes. Il aurait dû peut-être ici rappeler de X et de Y, et ici rappeler de X et de Y. Et puis, pour mettre des points, par exemple, ici, bon, on peut avoir 2 sur 2 pour cette partie-là. Voilà donc pour une correction d'une copie au format PDF avec le logiciel Xurnal++ et bien sûr la tablette graphique.